depuis que je sais lire, j'ai commencé vraiment à me passionner pour la lecture, surtout pour tout ce qui est lié aux univers fantastiques. Petit à petit, l'envie est venue de travailler dans ce domaine. J'ai eu la chance d'avoir, en étant blogueur à l'origine, des contacts très intéressants auprès d'éditeurs qui m'ont conseillé, qui m'ont mis en contact avec certaines personnes. C'est comme ça que j'ai décidé de franchir le pas et de créer Séma Édition, donc, qui est une maison d'édition spécialisée dans la jeunesse, le fantastique. La plus grosse partie de notre collection est centrée sur l'imaginaire. Donc on aime tout ce qui tourne autour du fantastique, un petit peu la fantasy. On a une collection adulte horreur très, très poussée notamment. Donc on se qualifie vraiment d'éditeur de genre. Alors la maison d'édition s'est lancée en fait en 2015 avec deux livres qui étaient tous les deux jeunesse et qui nous ont fait connaître. Donc on a Marie-Lou et l'arbre murmure qui est le premier tome d'une série d'une autrice liégeoise, Gaëlle Kempeneers. Sont ensuite parus Cœur de glace et De neige et d'argile qui terminent la série. Ce sont des livres très axés sur l'Ardenne, l'Ardenne belge, et sur ses légendes. Donc on va rencontrer Marie-Lou, qui est fille et petite fille d'ensorceleuse, et qui va essayer de sauver la forêt menacée de destruction tout en allant au secours d'un de ses amis enlevé au fin fond de la forêt. Donc il y a énormément de magie, toute une aventure, puisque Marie-Lou peut voir notamment la dryade qui vit dans l'arbre au murmure. C'est très féerique. Et le tome 1 des Grisshommes de Frédéric Livens, qui vit du côté de Moucron, qui lui est plus pour adolescents et joue sur le pouvoir de l'imagination. Plus récemment, on lance, même si c'est d'abord un côté plus adulte, la jeunesse viendra ensuite, c'est qu'on lance notre collection Poche, avec celle dans la boîte de Frédéric Ernotte, un auteur namurois, qui est un thriller ici. Alors, on a plusieurs aspects qui rentrent en jeu dans le choix de nos publications. Donc, on travaille d'un côté avec le coup de cœur, donc forcément les textes qui nous plaisent, parce que je ne veux pas publier des textes que je n'aime pas simplement parce que ça peut être un succès commercial. Moi, je veux vraiment publier ce que j'aime, la relation avec l'auteur. Parce qu'il faut que le feeling passe, parce que bon, on a une ambiance très familiale chez nous. Et alors, la qualité des différents aspects du texte qu'on retravaille ensuite avec l'auteur, donc l'écriture, le style, la profondeur des personnages, l'histoire, etc. Je trouve qu'en Belgique francophone, nous avons un public quand même qui s'intéresse beaucoup, notamment à l'imaginaire. Beaucoup d'auteurs français et d'éditeurs français avec lesquels j'ai eu l'occasion de travailler m'ont toujours dit qu'ils adoraient venir en Belgique parce que le public était beaucoup plus ouvert qu'en France.